Voilà, nous y sommes. Ici? J'ai ordre de vous abandonner dans le désert. Descendez. Mais vous êtes fou, vous devenez fou! C'est l'ordre du commandateur. Vaporelli m'a trahi! Oh, pitié, général, pitié! Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je ferai tout pour vous, tout! Je regrette, madame, je suis un soldat. Descendez tout de suite ou je tire! Oh non, ne tirez pas! Oh, ne tirez pas! Oh, mon Dieu! Oh! Alors il faut que je meure ici sous les yeux des chacals! C'est ça que vous voulez? Je vous laisse une chance. L'oasis est à 10 km, à gauche. Oui, une encore perdue. Oh, général! Général! Oh. Je suis tout seul ouverture. Mon nom vous est peut-être connu. J'ai entrepris de me venger. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les réaliser. Unissez-vous à nous, mes frères. Et combattez avec nous pour la même cause. Général Lavaux, chef des armées de la République française, dans la colonie de Saint-Domingue. Gérard Essomba, je l'ai rencontré en fait dans les années 70 à Paris. En fait, c'était la maison de la radio, la grande maison ronde tout au bord de la Seine, où il arpentait les couloirs et les studios, surtout parce que c'était déjà une très grande vedette du cinéma et de la télévision, et surtout, évidemment, de la radio. Ça suffit, petit blanc. Dans mon camp, les ordres, c'est moi qui les donne. Les rois sont loin. Ils vous haïssent. Et moi aussi, je vous hais. Quand tu aurais donné ta fille en mariage à un nègre, je croirais à ta prétendue égalité. C'était un des acteurs incontournables de la radio, de la télévision, pour les séries, du cinéma et du théâtre, dans la France, des années 60, 70, 80. On n'a pas entendu les hélicos arriver. Les hélicoptères sont arrivés, ils viennent nous chercher. Revenez, ne sortez pas. Ce sont des cacamènes. De la fausse monnaie. Je vous en supplie, mon colonel. Plus bas. Oh. Ce qu'il a apporté de formidable, c'est cette espèce de grande humanité, parce qu'il était capable de jouer tout et n'importe quoi. Des grands personnages historiques, je parlais de Malcolm X par exemple, on l'a vu faire aussi au cinéma Tous à l'ouverture, le rebelle haïtien. On l'a vu aussi faire des personnages plus humains, plus quotidiens, j'allais dire, dans les films comme les films d'Henri Duparc en Côte d'Ivoire. Il a tourné un peu partout, Gérard. Tu sais que ton fils est l'amant d'une prostituée? Il n'est pas le seul. Pourquoi tu en connais d'autres? Tu es bien placé pour le savoir. Salope! Gaffe! Ah, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais ça va pas! Je veux te sec les pieds, je veux t'endoler! Salope, chien, je veux t'apprendre à dénoncer les gens! Salope! Lâche-moi, viens voir! Mani Congo. Fils de Mani Congo. Et arrière-petit-fils de Mani Congo. Tous descendants du grand et invincible Congo Mani. Aussi le Hong Jeye, Neki Alpha Di, Fungwa Macho Hitakuja, Neki Asoui. Alors Gérard Essomba est rentré au Cameroun il y a quand même pas mal d'années maintenant, donc je l'ai perdu de vue, et là c'était un grand ami. Et il nous manque beaucoup ici à Paris parce qu'on cherche des acteurs comme lui. Désormais, l'enfant Peau Rouge vivra seul dans la cuisine de sa grand-mère.